qu'on puisse, comment je vais dire, qui font tout pour qu'on puisse atteindre des objectifs. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui font différentes choses. Même en inbox, il y a des gens qui font des choses. Donc, je voudrais vraiment, moi je le dis, hein, et je suis très ferme dessus, la prochaine personne que je vois injurier, parce que je sais qu'il y a des injures par-ci, par-là, il y a des piques. La prochaine personne que je vois injurier ou bien lancer des piques, je ne serai pas d'accord avec la personne-là. Je pense que ça, c'est clair. La prochaine personne qui va injurier, qui va lancer un pic, je ne serai pas d'accord avec cette personne-là. Parce que je pense qu'on est tous, des humains ici dans cette team. On est tous des humains dans cette team. Et moi, je connais le comportement de beaucoup de personnes ici. Je connais le comportement de beaucoup de personnes ici. Un peu tard, ce n'est pas tard. Je suis désolé. Ce n'est même pas tard. Je connais le comportement de beaucoup de personnes. Et j'ai parlé à beaucoup de personnes en inbox. J'ai parlé à beaucoup de personnes en inbox. Et je suis venu en live ici. J'ai été très pacifique par rapport à beaucoup de choses. J'ai été très pacifique par rapport à beaucoup de choses. En live ici, je pouvais incriminer beaucoup de personnes pour dire que toi, tu as fait ça. Toi, tu as fait ça. Toi, tu as fait ça. Mais je ne le fais pas parce qu'en fait, ce n'est pas. Genre, on m'a appris à ne plus faire ça. Avant, je le faisais parce que j'appelais les gens pour dire que toi, arrête-moi ça. Tu vas m'arrêter ça. Tu vas me dire ça. Tu vas me faire ça. Tu vas me faire ça. Non. Avant, je disais ça en live. Mais maintenant, quand je viens en live, je dis que ah, on s'accepte comme on est. On fait ci, on fait ça. Mais si je ne le fais plus maintenant, c'est parce que je pense qu'on a d'autres objectifs. Les injures, là, ça n'a pas lieu d'être. Si quelqu'un dit quelle est ma maman sur TikTok et que la personne injure quelqu'un, c'est que la personne m'a adopté. Peut-être de force, sinon la personne ne peut pas être ma maman et injurer quelqu'un. Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne Buzz Pro, sa chaîne du chapap et du père. Ouais, c'est le service s'agit. Nous sommes là, donc, nous les soi-disant blogueurs pour donner les infos sur mieux et dur, très dur. Ah, ouais, Axel, pauvre de toi. Que la paix en 2024, quelle paix? Qui va donner cette paix-là? Tu as beau sortir, fais 100 postes que j'en insulte plus, ils vont cesser. Donc, on a pris l'autre, on décortique qui mais c'est que tu es dans ton compte, tu n'es pas fier. Il y en a qui disent qu'il est fier parce qu'il voit ça. Non, non, non. Il n'aime pas ça. C'est pour ça qu'il avait dit à Kimi, sors, tu viens dire ici la vérité. Viens dire. Voilà l'une des raisons pour laquelle il est un peu fâché contre Kimi. Comme les gens vous sortez, vous faites des vidéos que oh, pourquoi Arsène ne pardonne pas Kimi, il pardonne tout le monde sauf Kimi, il a pardonné Papa Mera et tout. Il est prêt à pardonner Lolo Beauté, mais pas Kimi. Il avait dit à Kimi, sors, tu viens de dire la vérité si je n'ai pas été clair avec toi dès le début. Kimi, il a dit, si tu ne viens pas parler maintenant, là, ça va engendrer des choses. Il y a des choses qui vont me faire mal, les gens vont me faire mal et ça va aussi te faire mal à toi. C'est ce qui est en train de se passer. Bon, les choses sont en train de s'arranger un peu là. Mais Arsène est passé par son mal. Après ça, c'est Kimi qui est passé par sa part de mal. C'est en train de s'arranger. Donc, vous voyez donc que Arsène avait raison. Que oui, ça va nous faire mal à nous deux. C'est pas seulement à moi. Si tu ne viens pas mettre les choses au clair, Kimi n'est pas sorti. Première chose, il a plié le doigt. Deuxième chose, on a passé le temps à décortiquer, insulter Arsène. Kimi n'est pas sorti. Je connais ceux qui vont te sortir là, venir me dire que tu voulais que Kimi fasse quoi? Tu voulais que machin. Il a d'abord manqué le respect à Kimi. Donc, il manque le respect à Kimi. Ça, c'est ça qui est l'équivalent à 3 mois de lynchage. Et que Kimi ne parle pas. Ce n'est jamais équivalent.
Il y a quelque chose qui pèse plus, vous comprenez un peu. Donc, vous qui n'avez pas de cerveau là, vous qui allez venir dire que, waouh, il a d'abord ma connaissance. Oui, et puis quoi encore? Et puis quoi? Et puis quoi? Ça méritait toute cette punition-là. Hein? Comme on parle français, mais vous ne comprenez pas. On va parler seulement en dialecte. Il faut seulement qu'elle parle en dialecte, ou bien en pidgin même. Hein? Hein? Assez, hein? When I know the understand waiting. When I know the understand waiting. Je parle en pidgin. Waiting, when I know the understand. Je parle en anglais. Qu'est-ce que vous ne comprenez? What do you not understand? On vous dit que non, il a fait mal, oui. Mais alors, ça ne méritait pas si vous êtes là. Ah, gars, hein, il a manqué. On sait, on a cette. Ya, oui. Mais alors, c'est ça. 3 mois pour descendre la carrière de quelqu'un. Je vous dis que vous pensez que non, 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 il faut nous laisser ça. C'est ça qui a fait que le nous, on a tourné notre sympathie vers Arcel. C'est comme ça. Même qu'on ne déteste pas Kimi, j'aime tuer Kimi. Mais moi, ça m'a fait trop sympathiser avec Arcel sur cette histoire-ci. Mais Arcel, laisse. Hein. L'histoire que tu veux, la paix, là, machin, laisse, que s'il te plaît, c'est fini. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas contrôler les gens. Tu ne peux pas. Hein, Arcel? Tu ne peux pas. Je suis là en train de causer, je suis en train de faire les vidéos, j'ai mis la marmite au feu. Hey! Vraiment. TikTok, hein. TikTok et YouTube là, je suis en train de faire la vidéo, j'ai la marmite au feu. Ouais, que la famille. La marmite veut déjà se brûler. Oh. Hey! C'est chaud. Donc, c'est comme, c'est ce que je disais là. Oui. C'est quoi? Vous pensez, c'est pour ça qu'il est fâché toujours. C'est ça. Donc, hein, Marcel, laisse-le, tu dis que tu crois, penses que les gens vont changer. Ils ne vont pas changer. Hein, petit frère, tu es en train de brûler le lac, là où tu es là. Tu brûles le lac, tu prêches au désert, comme on dit là. Oui, tu prêches au désert. Ils ne vont pas lâcher, prise. C'est comme ça. L'être humain est comme ça. On se prend à très vite pour une nouvelle vidéo à la famille. Hein? Bisous et à sa pointe. Surtout, ne mettez pas les organes. Vous savez d'abord le résultat quand vous mettez les organes. C'est moi qui va venir soigner là, c'est à quelqu'un.